Alors, grand spécialiste évidemment du monde des finances, lui-même inspecteur des finances, vous connaissez Bercy par cœur et vous avez entre les mains la déclaration de situation patrimoniale de M. Emmanuel Macron. Après tout ce que vous avez entendu ce matin, que pensez-vous de la situation du ministre ? C'est une situation délicate parce que quand on est dans les fonctions ministérielles, vous devez faire une déclaration de patrimoine qui est publique. Je l'ai, je l'ai consulté. Après avoir lu l'article du Canard enchaîné. Et il y a plusieurs problèmes dans cette déclaration. Il y a la sous-évaluation d'un certain nombre de biens, dont un appartenant à sa femme, qui est au Touquet, une villa au Touquet, qui a été fortement redressée. Et puis, il a son appartement de Paris. Bon, ça, c'est la première question. Alors, ce n'est pas le premier, puisque tous ceux qui ont fait des contrôles sur les déclarations d'ISF constate que pratiquement tout le monde a tendance à sous-évaluer, puisque c'est en général des tiers, d'ailleurs, qui font des cabinets spécialisés, qui font la déclaration. Et donc, il est redressé. Mais il y a un deuxième problème, qui est le passif. Puisque dans le passif, si vous voulez, il y a trois prêts, dont un concerne d'ailleurs la résidence, il appelait ça résidence secondaire, en fait, c'est un bien propriété, bien propre de son épouse, au Touquet, une villa au Touquet. Et puis, il y a un prêt personnel entre particuliers. C'est assez bizarre, un prêt de 550 000 euros sur 120 mois dans sa déclaration qui a été fait en 2007 et qui est remboursable encore 100 000 euros en 2017 et 100 000 euros en 2022, d'après la plus intérêt capitalisé. Mais qui a fait un prêt de 550 000 euros entre particuliers avec pas de paiement d'intérêt, les intérêts étant repoussés? Enfin, c'est assez étonnant. Il faut que le ministre s'explique. C'est le minimum minimorum. Devrait être, entre guillemets, sanctionné au cas où. Mais la deuxième question qui se pose, c'est de savoir si au sein même de Bercy, il n'y a pas eu des fuites complémentaires, une levée en quelque sorte du secret fiscal. Alors, le problème, c'est qui a donné les informations au Canard enchaîné concernant sa situation fiscale et non pas patrimoniale. Mais si vous voulez, à partir de la déclaration patrimoniale, vous voyez que, selon toute probabilité, il était imposable à l'ISF, puisque le seuil, c'est 1,8 million. Et donc, il a été redressé, puisqu'il ne faisait pas de déclaration d'ISF, considérant qu'il était en dessous du seuil d'imposition. D'une certaine façon, il va être, évidemment, on le sent déjà, fragilisé. Que peut-il se passer pour lui, membre du gouvernement ? Je pense que je serai son conseiller dans ces affaires. Je dirais, monsieur le ministre, jouez la transparence. Expliquez le patrimoine de vous-même. Il est public, il est là, dans cette déclaration, que tout citoyen peut consulter. Mais il y a les biens de son épouse. Parce que la différence, c'est qu'à la déclaration de patrimoine, on déclare que ses biens propres ou les biens en indivision, mais pas les biens propres de son épouse, de son conjoint. Alors qu'à l'ISF, bien entendu, c'est la somme des deux. Et donc je pense qu'il devrait faire une conférence de presse en expliquant aux journalistes, point par point, quel est son ISF. À sa place, moi je rendrai publique ma déclaration d'ISF en disant « voilà le patrimoine de ma famille ».